Ah, enfin réveillé. Merde. Eh, la prochaine fois que tu me fais ça, j'utilise une balle de sniper pour te la mettre dans la tête. Mais t'es Ouais, complètement mauvais fou! plan. Mauvais plan. Si tu fais ça, tu seras le seul survivant. Ce serait con. Oh mon Eh, dieu, c'est on vrai. a bien droit de rire. Non, enfin, oui, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on va faire D'ailleurs, aujourd'hui? j'ai fait chauffer du rat. Ah, nice. Je sais pas quel goût ça a, mais ça doit être bon. Bon, écoute, moi, est-ce qu'on peut faire des sauts avec de l'or? Des sauts en or. Ah, yes, on peut faire! Je savais pas. Ouais, j'aimerais bien me faire. Ah, on peut faire des... D'accord, on peut... Non, mais... Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec des... D'accord, avec de l'or. Non, mais... Non, mais des sauts avec de l'or, ouais, bah, faut tester. Ce que je vais faire, c'est que je reviens, je vais aller chercher vite fait de l'eau. Et ensuite, Oui, on va le mettre vas-y. dedans, comme ça on pourra remplir nos bouteilles. Et puis, faudra les faire chauffer aussi. De toute façon, il y a encore du charbon, ce qui est génial. Ouais, bah oui. Alors, Pop, 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 pop. Ah, je suis bien content de l'avoir trouvé. Il a l'air Mais gaffe sympa. aux zombies quand même, hein. De quoi? Mais gaffe aux zombies. Ah oui, pas faux, ouais. Zombies. C'est vrai, ouais. T'as raison. Bon, je crois qu'ils escaladent les arbres. Ils peuvent escalader les arbres, hein, mais C'est pour ça qu'il faudrait qu'on. D'ailleurs, c'est étonnant quand même. C'est un zombie, mais ça escalade. Je suis Ah oui, impressionné. il faut savoir que ces zombies-là, je sais pas d'où ils viennent, mais en tout cas, ils ont l'air très, 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 très. Mouton! Où ça? Nourriture, là-bas. Ah oui, ouais, bah écoute, c'est toi qui vois. Moi, là, je vais nous faire des bouteilles. Il va falloir aussi qu'on aille chercher du. Comment ça s'appelle? Dépend de quelle heure il est. Des trucs pour se protéger. Des trucs pour se protéger, Ouais. c'est-à-dire. Bon, déjà, moi, je vais aller chercher de quoi couper des arbres. Puisque faut qu'on agrandisse Vas-y. la cabane quand même. Parce que là. Est-ce qu'il va faire nuit bientôt? Bah attends, je vais te dire ça tout de suite. Absolument oui, sûrement. Attends. Parce que j'avouerais que partir de nuit, pourquoi pas, mais c'est idiot. Non, 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 je crois que le soleil il vient ju juste de se coucher. Coucher ou de se De lever. se lever, pardon. Ok, je vais chasser alors. Ok, pas de soucis. Bonne chasse. Ou bo bonne chiasse. Merci. Quoi? Oh, il a l'air sympa. Bon, pour l'instant, faut quand même que je reste sur mes gardes. Mais ah, il m'entend. Oh, t'es égal. Il y en a un autre mouton, mais c'est proche de la base. Et j'ai peur que. Bah, qu'ils soient revenus en fait les survivants. Bah, faut pas avoir peur. Ouais, mais parce que Ça se. s'ils nous attaquent, parce Ah que oui, s'ils nous attaquent, ouais, dans ce cas, on faut peut avoir pas se peur. cacher. On est quand même bien équipés, donc ils peuvent peut-être vouloir ça. Bah, on verra, écoute, de toute façon, nous aussi, on est équipés. Est-ce que tu veux que je teste la radio? Je sais pas, comme tu veux. Ok, je vais tester toutes les fréquences. De 1 à... Il y a combien de fréquences? Je sais pas, mais attends, 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 au pire, on va le faire quand on sera à l'abri. Bah, on est à la... Bon, d'accord. Attends. Je prends du bois pour notre base. Vas-y. Moi, je vais... Bah, je vais longer la côte. Oh, c'est chiant ça, j'ai l'impression que j'ai ma hache elle est pas aussi bien taillée que ça. De temps en temps, je. Bah, faudrait que tu y remédies, hein, parce que bon. Ah, il est quand même sympa celui-là. Je disais que t'étais sympa, je suis gentil. Ah bah moi aussi, mais tu parles un peu tout seul, j'ai l'impression. Bah, toi aussi en soi, quand tu parles à la caméra, je suis désolé, mais. Oh oui, mais moi je parle à la caméra, je parle aux survivants qui regarderont notre vidéo une fois qu'on sera mort ou je sais pas, ou enterré,
ou bien qu'on aura perdu la C'est une caméra. vision, c'est quand même une vision très pessimiste. Ça se trouve, on va survivre. Oh ouais, ça se pourrait, ça se pourrait. Mais Mais une chèvre! si le bombardement, si le... Il y a une chèvre! Bah tu l'as. Et si on Mais l'appelait non! Blanchette? Vas-y, merde, je te donne un coup. Non! Salut Blanchette! Catin! Ah oui, ça fait du cuir. J'ai juste entendu un petit catin. Non. Si, Oh merde, mais je suis en attends! train de péter notre base. On est officiellement mort. Pourquoi? Que bon, si tu commences à casser la base. Suis désolé. On va pas survivre longtemps. Bon, ça devrait suffire ça comme bois pour Il y a de l'eau agrandir là. fraîche. Bonjour messieurs. Est-ce que vous êtes Norki? Oui, c'est moi. Vous m'avez laissé un message. Bah bonjour. Regardez, je vais vous montrer que je viens en ami. Je lâche mon arme. Ok, je lâche aussi. Je suis tout seul, hein. Il n'y a personne avec moi. Non, j'ai entendu une autre personne. Ah merde. Il y a une personne avec une chevelure écarlate. Parce que bon, C'est étant donné que je faux! suis un survivant et que Je je me suis pas méfie. là! Étant donné que je suis un survivant et que je me méfie, eh bien, je me suis permis Ok. de vous espionner un peu. Alors, je pense Monsieur? que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'il reste caché, au cas où si vous nous tendez un piège. Bah, vous nous avez laissé un cadeau dans notre cabane, d'ailleurs. C'est Ah oui. de ma part. C'est d'ailleurs une preuve de... Bah, une preuve que vous n'êtes pas... hostile envers qui que ce soit, je Ouais, pense. effectivement, on n'est pas Enchanté. hostile. Oh, toi t'es moche, toi. Pardon. Je rigole. Oh, ça va mal finir. Vous m'aiderez une victime, monsieur. Non, Putain, il a déjà une armure, ce gars. Non, c'est... Putain. Bah oui, qu'est-ce que vous avez sur vous? C'est... Ça a l'air C'est d'être du un... poil de lama. C'est très esthétique à New York. Ok. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il Alors. vient de New York, j'avais oublié. Alors, vous êtes Snorkim, et vous, monsieur Écarlate. Ad. Ad, Ad. pour vous servir. Ad. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Ernesto. Enchanté. Enchanté, alors. Ah, donc c'est vous qui habitez juste à l'endroit là-bas. Oui, j'habite avec mon ami Alfeust. Mais là, il est Ah, parti. Il a vous dû êtes partir deux. chasser, je sais pas. D'accord. Ok, Donc, d'accord. nous sommes pas totalement perdus, Snorky. Hein. Ah Je pensais qu'il non, n'y avait pas de oh, survivants. pour vous dire, en fait, si vous voulez, je reviens d'une ville qui a été apparemment bombardée Ah, c'était par moche. le gouvernement, quelque chose comme ça, et puis cet homme-là est venu me sauver et puis m'a ramené ici. Ouais, Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, il y a des choses étranges quand même. Ces zombies-là qui sont genre énormes, je suis encore un peu perplexe là-dessus. d'accord. Vous permettez si je monte? Oui, allez-y, allez-y. La nuit a l'air de tomber bientôt, donc... Bon, C'est je te vrai laisse que... monter, Ad. Oh mon Dieu, la petite cabane. Ah oui, c'est vraiment petit, hein. En tout cas, vous avez des petits trucs, c'est pas mal. Ouais, bah en fait, on a fait ça on a fait cette petite cabane dans l'immédiat, mais justement là, on était parti couper du bois pour bah tout simplement D'accord. pour essayer de l'agrandir un peu. De toute façon, moi, ma cabane n'est pas préparée pour la nuit. De toute façon, j'étais en train d'aplatir le terrain pour poser des Ah, gros... Enfin, des... intéressant. Oui, je suis tout ouïe. Et vous pourriez venir vous installer près de notre cabane. Ad.
Ah, vous proposez de... Ok, bah écoutez, bah Bah, peut-être. dès que les murets seront posés et tout ça, dès que le terrain sera sécurisé et prêt Mais et tout ça. ce que je vous propose, c'est que nous, on va pas faire les incrustes non plus, c'est qu'on pourrait faire notre cabane à côté de la vôtre. Oui, vous faites votre cabane à côté de la vôtre. Étant donné que, bon, si jamais il y a plus de survivants, on aura qu'à se faire un petit village ou un truc comme ça. Ouais, bah Ça va devenir un carrément. petit Surtout village, ça qu'on pourrait être est pas tout mal. proche de la mer, donc c'est mieux pour la fuite. Enfin, je pense qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas nager, j'espère. Non, ils savent nager, vous inquiétez pas. Ah. Sauf qu'ils sont très lents par contre, mais ils savent nager. C'est vrai, C'est problématique. que la vôtre, elle est un peu plus en hauteur que la nôtre. Et donc ça a un plus grand avantage, on peut avoir plus Puis de vue. le terrain est plus préparé aussi. Il y a une espèce de petite colline là juste à côté, donc C'est si vrai, jamais il y a un ok. souci, on peut sauter dans l'eau directement. Ouais, que c'est plus pratique du coup. C'est Ouais. vrai, et donc votre ami, lui aussi, c'est un survivant depuis combien de temps? Bah nous, ça vient de nous tomber dessus il y a genre 2 ou 3 jours, les zombies. C'est la première fois qu'on en voyait nous. Ah, vous aussi, je suis pas le seul. D'accord, oui, Parce bah. que moi, parce que lui, il me disait que ça existait depuis longtemps, Enfin, depuis longtemps, oui et non, en fait. Moi, ça doit faire à peu parce près que une semaine ou. pour moi, un zombie, c'est juste dans les films, en fait, c'est pas dans la vraie vie. Ah, d'accord. En tout cas, moi, j'étais avec mon télépathe. Enfin, il se présume, enfin, il se nomme télépathe. Ah, c'est C'est-à-dire que sympathique, dans sa ça. tête, lui, c'est un télépathe. Par contre, c'est un ratophobe, hein. Il a peur des rats, mais c'est pas grave. C'est Parce que j'espère qu'il problématique va quand bien. même. J'ai pas eu de nouvelles de lui, j'étais parti chasser toute la journée, mais S'il il a pas rencontre l'air un rat, d'être. il pourra pas revenir. Ouais, voilà. Mais Ah. je pense qu'il va revenir, y a pas de soucis, il devrait pas y avoir de soucis. Après, il a peut-être une radio sur lui, non, je sais pas. Pour vous contacter au cas où. Ouais, pourquoi pas, ouais. Bah, Ah, d'accord. je peux essayer de le contacter avec. Oui, bah allez-y. Hein. Alors. Bah, est-ce qu'on vous tutoie ou alors est-ce qu'on te Oui, tutoie on peut se directement? tutoyer, y a pas de soucis, Ad. D'accord. Hein, Et du pour moi, coup, c'est bon. Hein, pour parce que moi. j'ai un problème avec Norkick, c'est parfois je le vouvoie sans le vouloir. Non, mais on va s'habituer à se tutoyer, les mecs. C'est vrai que, ouais. Alors, Emric, est-ce que tu m'entends? J'ai trouvé des survivants, enfin, on nous a laissé un message. Ils se sont installés pas loin de chez nous et ils sont très amicaux. Voilà, donc je voulais savoir où est-ce que tu étais, si tu allais bien. D'ailleurs, je m'inquiète un petit peu pour toi. Donc, si jamais il y a un souci, tu me contactes à la radio, il n'y a pas de problème. Et voilà, je suis là pour toi, mon vieux. Eh ben alors, c'est fatigué. Ah, mais surtout que voilà quoi, c'est pas comme si c'était un peu. Ouais, je sais C'est pas si deux je devrais choses essayer de rapides. retourner à ma cabane. Bah, y a pas C'est trop de dangereux. zombies, j'ai l'impression, hein, comme Oh la oui, dernière fois. y en a. Ah, Ah, tu m'as fait... Enfin, oui, tu m'as fait flipper là un peu quand même. La dernière fois, parce que Snorky avait fait un petit mumuse avec les zombies et se faisait poursuivre. Non mais il faut éviter tout contact avec eux les mecs, c'est pour ça que moi je vais faire un mur. Ah, Ouais. you're gonna build a wall. D'ailleurs, il faudrait qu'on trouve très vite du fer pour pouvoir éventuellement se construire une armure. Ah, parce qu'il faut savoir. Ouais, Il mais faut après ce qu'il miner, faut hein. savoir, oh mon Dieu, hey, les mecs, votre cabane elle est pas du tout Oui, sécurisée. bah justement, ils savent très bien monter et c'est ça qui est inquiétant. Bon, attention à ce que je vous mette, enfin à ce que je te mette pas un coup. Il faut que je m'habitue à vous Il tutoyer faut là. que tu coupes l'arbre en vrai parce que. Ouais. Ouais, j'ai envie de le faire maintenant, mais Et du coup, juste pour que je puisse savoir, est-ce que vous avez des armes et des munitions? Comment dire? Alors oui, j'ai Je une peux arme. vous les toutes utiliser comme munitions, ce qui est très J'ai précieux. une arme, mais je pas. Mais oui, nous avons une arme. Ouais, par mesure de sécurité, je préfère la garder sur moi. Oui, il faut toujours rester armé, les gars. Puis on sait jamais, hein. Puis j'ai aussi une arme silencieuse, une crossbow. Ah, bah c'est bien ça. Moi, Ouais. les mecs, j'ai une arme. Il me reste encore 15 balles avec ce fusil de chasse. D'accord. Puis j'ai un 9 mm éventuellement dans mon sac avec 30 balles, et enfin de chargeur. Ok. Donc je suis Je suis encore encore assez, assez. assez posé, quoi. Effectivement, c'est plutôt pratique. Surtout que une balle dans la tête et ça suffit. Donc bon. Ah bah là mon fusil de chasse, putain, il dégage. Il dégage les zombies, hein, il dégomme. Bon, Plutôt qu'est-ce qu'on pratique, peut c'est une bonne faire? survie. Qu'est-ce qu'on Bah peut faire là? on a niveau nourriture, on est plutôt pas mal. On pourrait bah, vous en passer si jamais vous n'avez pas. Enfin, si jamais vous deux vous en avez besoin.
Non, j'en ai beaucoup. Alors moi, ce que j'aurais bien aimé, ce serait aller très vite faire une armure parce que là, on est vraiment hyper vulnérable. Hein. Ouais, mais vaut mieux. Ouais, mais sauf que sous terre, c'est très dangereux aussi, hein. Bah je sais, mais je sais pas trop comment obtenir du fer sans aller Vous sous allez terre. sous. Bah regarde, déjà, je sais pas si vous avez vu l'espèce de grand trou là qu'il y a sur la plage là-bas. Ouais. Oui, ça C'est mène à moi une qui l'ai grotte. creusé, c'est une carrière de pierre que j'ai creusée pour faire des murs en pierre. Et en gros, bah, dès que je suis là-dedans, j'entends des zombies comme s'ils étaient dans les cavernes, et j'en entends des centaines, quoi. Et bah ce que je vous propose, Ah. c'est que dès Juste demain, pour vous dire à quel point c'est le bordel. On aille faire le ménage à l'intérieur, comme ça on pourra aller chercher du fer à volonté. Faudrait qu'on Ah, se le fasse la ménage. masse. Moi, ce que je propose, c'est qu'on soit plus nombreux avant d'aller dans les souterrains. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que si jamais on y va et qu'on se fait surprendre. Ouais, c'est Voilà, vrai. genre 3 ou 4 survivants de plus et on serait bien, quoi. Bah ouais, mais aussi en attendant, on peut pas tellement bouger que ça de entre notre base et votre base, puisque au final on est Bah, on un bouge peu. pendant le jour, quoi. Ouais, au pire, ouais. Alors, j'ai proposé de faire un. Et Ouais, le non, jour, j'ai l'air fier. c'est largement faisable, hein, le jour, hein, je suis désolé, mais. Oui, c'est sûr qu'on. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider vite fait mon sac là. Parce que Ok. j'ai du four. Ah, j'ai une bouteille de Donc lait c'est aussi. étonnant de savoir qu'il y a d'autres survivants en fait. Ah, c'est vrai, ouais. Je m'y attendais pas. Enfin, nous, pour vous dire, monsieur, enfin, Ernesto, pour te dire, on est complètement parti dans un endroit, mais complètement à l'arrache. On s'est dit, allez, on va au nord-est. Et en fait, on Ouais. est tombé sur votre cabane. Donc, on a un peu halluciné. Ouais, bah écoute, bah c'est une bonne chose en fait hein, que vous soyez tombé sur nous. Ouais, Bah au c'est final, ouais, sûr. c'était carrément. Ouais, c'était pas mal, ouais. D'accord, vous auriez pas un ou deux blocs de pierre, les gars? Ou Justement, bien? enfin, on en a un. Mais un autre, je sais pas. Justement, je voulais aller chercher de la pierre, mais le jour, il est tombé trop vite, quoi. La nuit est tombée trop La vite. nuit, pardon. Bah écoutez, ça vous dérange si je me sers de votre four? Non, non, pas Allez-y, du tout, allez, au allez-y. fond là. Vas-y, vas-y. Je vais pas, ouais, j'en profite pour faire bouillir de l'eau et faire cuire de la nourriture. Bon, écoutez, c'est pas mal. Je croyais pas que vous seriez installé aussi proche, en fait. Bah, Bah, au début, on s'était dit que ce serait peut-être pas une bonne idée, puisque bah, on peut pas être sûr de qui sur qui on tombe. Vu qu'il peut y avoir beaucoup de bandits, enfin, je pense. Enfin, pas en forêt. ouais. Mais après, au final, on s'est dit que peut-être les survivants sur qui on tomberait seraient peut-être gentils. Voilà, et puis on Ouais. s'est dit, on est armé, donc on pourra se défendre en cas d'attaque d'ennemis. Donc de Ouais. toute façon, on s'était dit ça quoi. Mais ouais, on voulait s'installer ici, puis on a vu votre cabane. Donc au dernier moment, on a décidé d'y aller. On a vu qu'il n'y avait personne. Enfin, on t'a laissé un mot, et puis ensuite, on est revenu ici. D'accord. Je vous ai volé votre bloc de pierre pour me faire un boomerang. Vas-y, Si je peux économiser quelques balles pour vas-y. taper du zombie à distance. Voilà. Bah, en tout cas, je suis content d'être un petit peu moins seul. D'ailleurs, quand je sais qu'en plus il y a Emeric qui est pas loin, donc ça veut dire qu'on est quatre. Ah, il s'appelle Emeric, d'accord, ok. Emeric ou Alpheus, tu l'appelles comme tu veux, ou bien le télépathe. Enfin, ce gars-là, J'appellerai le il est télépathe assez aussi. spécial. Il est assez marrant ce gars, mais il est vachement sympa les gars. Donc vous allez Bah bien vous écoutez, entendre avec lui, je crois. j'ai hâte de faire sa rencontre. Moi de même. Je t'avoue que rester avec Snorky, c'est sympa, mais au bout d'un moment, il y a Je te des comprends. tendances à. Voilà. Hey, on se connaît que depuis un jour, hein. Un jour ou deux, enfin, je crois. Ah d'accord. Ah bah vous aussi vous vous méfiez un petit peu l'un de l'autre, je crois, non? Bah oui et non, Non. puisqu'au final il m'a sauvé la vie. Donc, ah, il y a de la pierre par ici, mon ami. Ah oui, j'ai sauvé la vie parce qu'il était contre un. Bah, j'ai. Enfin, Ah c'était ouais. une sorte de géant. Et heureusement que j'avais une balle bien placée, sinon il était mort. Je crois que j'avais vu un poulet en bas. Il y a un Je l'ai vu mouton. aussi. Oui, il y a un Ouais, il y a de mouton et la un poulet pas nourriture en tout loin. cas en bas. Tiens, est-ce que tu veux encore. Au pire, on peut se faire un boomerang tous. Là, je peux faire deux boomerangs. Je veux bien. Vas-y, faites-en J'économisera, pour je vous. pense. Ok. Je vais descendre un petit peu sur les arbres pour voir ce qui se passe. Je vais faire très gaffe, Attention hein, quand très même. attention. Alors, comment on fait le Ça a boomerang l'air déjà? d'être assez calme pour le moment. Alors, Moi j'ai je chasse aucune à idée. distance. Passe, je crois savoir comment faire. Puisque Ah bah j'ai. j'ai paumé mon boomerang. Plus à faire Attendez, jour. j'essaye de descendre. Oui, vas-y, balance tout, je récupère.
Ok, attends, je te file des Oh merde, bottes. on est pas loin. Tiens, 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 Ouais, Gigok. fais gaffe. Hey, Gigok, est-ce que tu veux des Non, c'est bottes? Ad. Mais tu peux. Oui, bon, bah, si tu veux, tu peux m'appeler Oh merde. Gigog. Oh merde. Oh lolo. Eh, Vas-y, bébé, vas-y. viens par ici, le Non, non. zombie. Je m'en sors. Tout va bien. J'ai aucune idée de Voilà, comment il on tombait fait comme une en merde. fait. Allez, moi Ah, je. merde. Ouais, je rebouche avec de la laine, je m'en fous. Ça va aller? Ouais, ça va. Gigog, est-ce que t'as besoin de de golden est-ce que t'as besoin de bottes? Non. Non? Bon bah très Et bien, c'est Ad, arrête de je les m'appeler comme prends. ton ami, ton défunt ami. Ah oui, c'est vrai, merde. Par contre, je t'avouerai que je ne sais pas comment faire le mouvement au final. En tout cas, le jour se Je... lève, les gars. Là, c'est l'aube. D'accord. Ah, c'est Je peux bon, je voir me le soleil. souviens. Sais-tu comment faire un boomerang, cher ami Passe, Ernesto? Eh les gars, il Ad. faut fêter ça. Ça fait maintenant plus de d'une nuit qu'on se connaît, les gars. C'est vrai que c'est plutôt beau. Non mais attendez, les mecs. Ça se fête, ça. Allez, santé. Oui, par contre, t'as chauffé tout Pas le bois. sauf. Alors, je propose de couper cet arbre de malheur qui est en face de nous. D'accord, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer d'aller travailler sur ma petite parcelle de terre. Bonne chance. Ouais, continuez de faire ce que vous avez à faire chez vous. Ou Ok. s'il y a un souci, vous me contactez à la radio, les mecs. Ok, pas de Ouais. souci. Attends, je me branche sur la fréquence. Est-ce que tu m'entends bien là? Très bien, très bien. Ok, parfait. Bonne Bon. chance, les mecs. Faites attention à Bonne vous. chance à toi aussi, ouais. Bon nuit. Alors, tiens, Gigok, j'ai ton. Je suis en bas. Ad. Et pourquoi? En fait, tu me fais penser à un ami qui s'appelle Gigok. C'est pour ça. Ah, c'est sympa. Est-ce qu'il était aussi beau que moi? Ah non, il était très moche. C'est bien ça pour l'ami quand même. Je plaisante. Je tiens à le dire. Je plaisante, je plaisante. Est-ce qu'on serait blessé si j'étais lui? Bon, écoutez, je vais faire peut-être un peu le têtu, mais j'ai vraiment envie d'avoir une armure parce que là, c'est pas avec ça qu'on va survivre. Pas faux, mais comment comptes-tu faire ça? Bah, aller dans les grottes. Non, déjà, ce que je vais faire, c'est que je reviens. De toute façon, on peut toujours se communiquer par radio sur la fréquence 1. Bah, Je vais aller tu veux pas chercher que je un. t'accompagne? Comme tu veux. Bah, ça serait plus pratique, je pense. Bon, bah, let's go alors. Et parce que bon, passer la journée tout seul, c'est bien sympa, mais je deviendrai vite fou. Ouais, ou pas. On est très bien tout seul aussi, hein. Ouais. Alors, à ce qui paraît, il a dit qu'il y avait des bruits de zombies. Ouais, c'est pour ça qu'en fin de compte, j'ai vu qu'il y avait une autre sorte de petite carrière ici. Ouais, c'est plus pratique. Voilà, c'est ça, c'est. J'ai vu que les zombies avaient tendance, quand ils mouraient, de jeter des objets. Ça devait être des riches, je pense. Ah, bah sûrement. Attends, est-ce Ah, que tu veux une hache et une pioche aussi ou pas? ouais, vas-y, je veux servir à quelque chose. Très bien. Ah merde. Mec, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez plus vous passer de moi ou quoi? Quoi? Vous pouvez plus vous passer de moi ou quoi? Non, je me suis attaché à toi, c'est trop tard. Ah, il y a un zombie pas loin. Comment t'as fait pour t'attacher à toi, à moi aussi vite? T'as fait un nœud et enfin t'as pris une corde et t'as fait un nœud? Exactement, tu l'as pas vu, je suis magicien. On est parti chercher de la J'ai un trico, pierre. je vais couper cette corde. Alors, il y a un télépathe et un magicien maintenant, d'accord? Très bien, bah allez, je continue de faire mes trucs. Ok, nous on est un peu en bas, ça te dérange pas qu'on vous pique un peu de fer, un peu de pierre? Bah non, non. Ok, parfait. Ah oui, c'est vrai que j'entends. Oui, bah ils sont sympas, ils ont dit. S'il se passe quoi que ce soit, les mecs, vous me dites. Ok, pas de Promis. soucis. Pareil pour toi, hein. Il est quand même sympa, c'est Ernesto. Hein. Hein? Il est quand même très sympa. Ah ouais, je t'avoue que j'ai flippé quand même au début, hein. Je suis Je sais que tu resté. nous entends, c'est pour ça que je fais des louanges de toi. Ah. J'ai pas très bien entendu, j'entends très mal de loin, j'ai une très mauvaise ouïe. Il a dit que c'était de la méfiance. Ah non, 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 ce que je veux dire, c'est que j'ai flippé en le voyant avec une arme en fait. Ah, mais t'es un peu un flippard. Hein. Ah bah, je vois un mec qui me pointe une arme en face, je vais pas faire. Oh, je n'ai pas peur, monsieur.
C'est pas faux. Bah voilà, bah voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors du coup? En fait, on est très bien. Parce que moi je serais bien aller chercher de la pierre, faut vraiment, du fer vraiment là, mais aucune idée de par où y aller, de par où y aller. Mais d'un côté, j'ai pas envie de t'emmener de t'amener à la mort, quoi. On est tous les deux dans la même merde, hein. Ah, là, il y a l'air d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Je vais aller m'aventurer. Reviens en vie alors. Ok, pas de soucis. De toute façon, Par on peut. contre, t'as pas ta radio, c'est problématique. Je te passe la mienne. Ok. Ah oui, ah oui, Et d'accord. reviens. Ok. Là, reviens. Où étais-tu? Ah, tu es là. Mais tu es parti. Je t'ai confondu avec une pomme. T'as la couleur d'une. Putain. Je suis derrière toi. Il m'a confondu avec une pomme, c'est sympa. T'as la Je me sens vexé, je pars. Meurs bien dans ta grotte, hein. Bien ta grotte. Bon, Ernesto, je suis vraiment désolé, mais on va devoir squatter un peu la fréquence puisque on s'est séparés, moi et Je Gigok. suis trop fou. Ah ouais, ah oui, d'accord, c'est un trou hyper profond, quoi. J'aurais tendance à dire comme un membre de ta famille, mais je vais me retenir. Vaut mieux que tu te retiennes, ouais. Quoi? Non, et ce que Parce je qu'en fait, il disais. est parti dans une grotte, et du coup, j'ai dit que c'était assez profond. Non, en fait, Ernesto, je suis vraiment désolé, mais on va devoir squatter un peu on s'est séparés, moi et Gigok. Donc, on squatte ta fréquence, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu m'entends toujours d'ici? Ouais, mais très très mal, hein. Ah, c'est cool, je peux t'insulter. Je t'entends très bien. Essaie de revenir en vie quand même. Enfin, je déconne quand je disais que t'allais mourir. Oh, pas de soucis. Je vais essayer de préparer un peu la bouffe, tout ça. Ah oui, voilà Ernesto, je suis vraiment désolé, c'est ce que je te disais, on squatte un peu ta fréquence parce que moi et Gigok on s'est séparés. Y a pas de souci. Bah en fait j'utilisais la mauvaise fréquence depuis tout à l'heure. Non, mais au moins il y a une ambiance, quoi, tu vois, on s'est pas chier. C'est pas C'est pas faux. faux. Snorky, je veux pas te faire peur, mais la nuit tombe. Bah ramasse là. Tu rigoles, mec, il est midi. Enfin, il doit être genre 14h, un truc comme ça. La nuit est Ah, loin de tomber, mon gars. j'ai une mauvaise perception de dehors, alors. Ouais, t'as pas la bonne perception du temps. Bah écoute, on est magicien et puis on peut pas avoir une bonne vision. Oh, super du fer. Tu m'étonnes. Oh, ils sont très sympas, je suis vraiment content de les avoir trouvés. Ça change un Merci peu de beaucoup, Snorky, compagnie, c'est mais t'as vrai. pas les louanges de ma part. C'est vrai que ça change un peu du cheval, là, d'Hidalgo, mais bon, Hidalgo me manque, c'est sûr, mais c'est vrai que un peu de compagnie humaine, c'est pas du refus. Ne va pas trop loin dans les relations quand même, hein. Toujours le mot pour plaisanter, Gigog. Ad. Merde. Ad, pardon. Ad, ad, ad. Pourquoi Gigok? J'ai un ami qui s'appelait Qui est Gigok, mort? qui est mort et Ah, qui me d'accord. faisait exactement penser à lui en fait. D'accord. Et je ne sais pas comment le prendre, en fait. Il était sympa. Après, Et il était m'a tout dit que vert et j'étais il faisait. aussi beau. Voilà, il était sympa, mais il était moche aussi. Un petit peu comme moi, quoi. Je plaisante. Exactement. Non mais les mecs, il y a un télépathe, il y a un magicien, mais moi je suis le maître de l'autodérision, les gars. Faut vous habituer. Ah, pas de soucis, y a pas de soucis. Bon. J'aurais quand même apprécié qu'on me dise que je suis pas moche, hein. Je dis ça, je dis rien. T'inquiète pas, je te trouve magnifique, Ernesto. Merci, je crois que c'est les lunettes de soleil qui font cet effet. Bon, alors je vais couper ma radio. Exactement. Tu m'étonnes. Bah comme j'ai dit, ne meurs pas trop tôt, Snorky, hein.
Pourquoi donc? Je sais pas. Très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à agrandir votre petite cabane, hein, même si c'est juste temporaire, je veux dire, ça peut vous servir. Ah, Si vous ok. pouvez, si vous pouvez Ouais, poser vos j'y tentes et pense, dormir, j'y ça pourrait être pas pense. mal. Je D'accord. le fais. Allez, agrandis la cabane. Moi, par contre, quand je vois une gonzesse, c'est autre chose qui a grandi, hein. D'ailleurs, je sais même pas s'il peut avoir des femmes encore. Bah, si, si, si. Oh, Bah, regarde, j'espère. toi, t'es là. Effectivement, tu n'as pas Oh! tort. Bon, j'ai fini un peu de Non, dîner. mais je suis un bâtard, les gars. Je suis peut-être maître de l'autodérision, mais je suis bien pour, tu vois. Je ne dirais pas le contraire. Voilà. Quelle courtoisie. Je sais, Snorky, moi aussi, je t'aime. Mais Voilà, j'ai c'est rien pas mal, dit? là, mon truc. Ah, Jigok! Bonjour. Enfin! Enfin à l'air libre! Non, Bon, c'est je pas te ramène Jigok, pas je mal te de rappelle que charbon. je m'appelle Ad, pas Jigok. Putain, il va falloir que j'y m'habitue. Hein. Vraiment, là, va vraiment C'est falloir ça. que je m'y habitue. Ouais. On aura une place pour nos tentes fictives. C'est pas des tentes humaines, mais Je suis désolé. Ah putain, je vais devoir ah, couper ma caméra assez urgemment. Pourquoi à chaque fois que je suis dehors, il commence à pleuvoir, sa mère? T'as pas chanté? Vous m'expliquez? Non, non, j'ai Je pas sais chanté. pas. Mais c'est plutôt dérangeant. Et pourquoi tu dois couper ta caméra, toi? Bah en fait, j'aimerais bien aller à la petite commission, mais le problème c'est que là, pour l'instant, il pleut, donc... Oh merde, il n'y a pas trop d'endroits où aller. Ouais, tu vas attendre. En tout cas, les gars, je prends une grosse prise de risque, hein. Je reste dehors quand même pour finir un petit peu, enfin pour essayer de finir mon mur. Si jamais je vois un zombie, je monte. Ok, Ouais, fais fais attention, gaffe, hein. hein. Ouais, là, je suis en train d'agrandir vraiment le terrain. Pour vous dire. Ah! On a la place pour une tente. Bon, bah, tant pis, tant pis, tant pis. À moins que tu agrandisses sur les côtés. Bah, je veux bien agrandir sur les côtés, mais j'ai presque plus de bois. J'en ai assez. T'en passer. Bah, faut que tu te couvres, hein, puisque là, ça devient flippant. Ad. Écoute, c'est pas grand chose. Ah ouais, par contre, je vois absolument rien. Tiens, balance tout. Mais genre, quand je dis que je vois rien, je vois absolument rien. Bah moi ça va, je vois son avancée d'ici. Sans pas mal, hein. Ça doit être... Oh putain, ouais, non, je vois rien du tout. Oh, Tu t'en putain. sors, Ernesto? Tout baigne, tout baigne. Ok. Et il est quand même sympa, hein, je suis content d'avoir fait sa connaissance. Ouais, j'ai hâte de voir Ouais. son ami. Jusqu'à maintenant, quoi. Ah, Jusqu'à oh, j'ai chaud. maintenant. Bah écoutez, j'aurais pu en faire une bonne partie de mon terrain. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Nous, on continue tranquillement d'agrandir la chose. Vous gênez pas. Gigok, t'as des pensées un peu perverses de Ad. temps en temps, Ad. Moi? Non, pas du tout. Non, c'est faux. Tu mens. Et c'est cette raclure de gorge, ce raclement de gorge qui laisse à désirer. Comment ça? Ton, on finit d'agrandir la chose. Bon, C'est faux. allez. Youp! Yes! Bien, voilà. Il fait un peu froid, mais Bon, maintenant la mission c'est c'est de vraiment mettre ce parfait. lit. Écoute, je vais commencer à dormir. Ah yes, j'ai réussi. Attends, je vais contacter Ernesto pour savoir s'il veut dormir ou pas, histoire de faire passer le jour. Enfin, histoire que la nuit passe très vite plutôt. Oui, mais c'est qu'elle avancera pas plus vite si on dort à trois. Vas-y, Écoute, non. Ernesto, moi personnellement je vais dormir, mais Snorky va peut-être rester debout. Enfin, je sais pas pour lui, mais en tout cas, on te dit à demain. Je vais dormir aussi, moi. Ok, et vous allez être là demain ou pas?
Ouais, Ouais, bah t'inquiète oui, pas de pas. souci. D'accord, parce que moi je continue, hein. Je reste éveillé jusqu'à ce que j'ai au moins fini ma petite parcelle. Ah bah écoute, est-ce que t'as besoin Ok, bah d'aide? attention. Bah pour l'instant non, il faut juste que la nuit passe quoi. Et je suis posé. Ok, d'accord. Bah moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dormir avec Jigok qui va être à côté de moi. À deux. Ad. Et puis bah dès demain matin, on va c'est D'accord, reparti bah quoi. écoutez, je vais vous faire une confidence d'ailleurs, moi je filme, j'ai une caméra d'ailleurs. Ah bah moi aussi. Ah bah très bien. Et du coup, bah, je compte quand même, enfin, si vous voulez, je peux quand même essayer d'aller me coucher, mais il y a des zombies sous ma cabane, je peux essayer d'aller me coucher, mais moi je compte, enfin, dès que je me réveille, en gros, je tourne, enfin, je continue de tourner quoi. Bah écoute, Très c'est bien. pareil moi, mais de toute façon, en dessous de chez nous aussi, on a des zombies. Parce que, apparemment, D'accord, bah je... je vais essayer de m'en débarrasser moi perso. Ouais, moi aussi. Bon bah à la chasse. Bonne chance. De même. Merci. Jigok. Ad. Oh mon dieu, j'ai un rat. Sérieux? Ah, heureusement que t'es pas ratophobe. Non, c'est bon, il est mort. Jigok, j'ai de quoi faire... Ad. Ah, Ad, j'ai de quoi faire... J'ai 5 ou 6 à buter, hein. J'en ai 5 ou 6, hein. Bon, dis-moi ce que t'as besoin, toi, comme armure. Rien du tout, ça, je te dis, je suis très bien avec ce que j'ai actuellement sur moi. Ok, bah moi je me fais... Hop! Ah bah non, j'ai des... Ah oui, déjà, d'accord. Il y en a, il y en a, ils sont couverts de sang, c'est horrible. Ouais, c'est vrai que... Bon, est-ce que tu es prêt, mon cher Snorky? Je suis prêt. 3, C'est parti. 2, 1, go! On se les fait au couteau, on gaspille pas de munitions. Oh, je vois absolument rien, je suis vraiment Non, j'en désolé. ai... À chaque fois que j'en tue un, il y en a d'autres qui arrivent. C'est problématique. Ce ne sera point Ils sont possible de beaucoup dormir cette nuit. trop. Vous pensez qu'ils se reproduisent entre eux, même s'ils sont morts? Je crois pas, non. Je crois que c'est juste que la quasi-totalité de la population a été transformée en zombie, c'est tout. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de randonneurs. Bah, à mon avis, comme Snorky l'a dit, ça fait longtemps qu'il y a des zombies, mais ils ont passé beaucoup de temps en ville et du coup là, ils s'éloignent des villes parce qu'ils ont plus de nourriture. Je pense que c'est Oh mon ça, oui. Dieu, tu devrais voir ça, c'est vraiment flippant! Je vois, oui. Oh la vache! Fais gaffe, hein. Préparez-vous, allez vous coucher, les gars. Moi, je peux, hein. Ah bah... Oh! Alors, comment dire que nous, ils sont tous en dessous. C'est des fans. Non mon Dieu, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Les mecs, c'est dommage que moi, je puisse pas. J'ai pas d'angle de tir. Si je pourrais, je pourrais vous aider avec mon sniper de là où je suis. Alors, attends, désolé, un truc Je snorky, pourrais essayer de c'est faire que. ça, tiens. Agrandir ma cabane pour ça. On va casser ça ici, là. Avoir un angle de tir potentiel pour vous aider. Ouais, ça C'est vrai serait que ce serait sympa. pas con ça. Je vais faire ça sur le Par toit. où? Norki, attention. Oh la vache, mais ils sont pleins! Laisse-moi participer aussi. Ah, mon boomerang est d'accord, il est. J'ai perdu mon boomerang. Hop. Allez, venez! Bande de sales bestioles! Oh merde! Ah non. Yeah. Alors, ils sont au moins une dizaine, c'est pas pratique, et le jour se lève, je crois. Je crois pas, non. Oh merde! Ok. Oh merde! Oh Oh non, Snorky est tombé. Snorky est tombé? ah, je suis dans l'eau, je suis dans l'eau, je Il est suis dans dans l'eau, je l'eau. suis dans Dans l'eau. l'eau, dans l'eau. Tu m'as fait flipper, mon gars. Mais ils l'ont pas suivi, ils restent vers moi. Tant mieux, je dirais. Attends, je vais essayer de les attirer autre part maintenant que j'y suis. Ils sont beaucoup quand même. Par là, venez! Suis-moi. Allez, venez! Ah, il y en a un qui te suit, hein. Norki, mais non, mais t'es idiot. Je vois aucun zombie en dessous de chez vous, mais c'est pas grave. Ouais, ils sont quand même beaucoup. Et Snorky Venez, bande d'ordures! ils aiment pas Snorky. Je crois qu'ils n'aiment pas. Derrière-toi, Snorky! Putain. Du coup, les mecs, le temps qu'il aura fallu pour vous débarrasser des vôtres, bah moi, comment dire qu'il y en a plein qui sont revenus, hein. Ah, mais ils sont vraiment quand même beaucoup, hein. Eh, je sais Tiens-moi pas sur quoi toi, faire, tiens. je vois rien.
C'est le fun. Qu'est-ce que t'es idiot? Il y a un poulet si tu veux, il peut Je vois la pas. lumière Non, de Snorky. il y a plus de poulet. Mais pourquoi tu mets des... Mais ça les attire pas là, les... Et moi, il rôde sous ma cabane, hein, c'est horrible. Mais ils s'en foutent de toi, Snorky, hein. Ah non, c'est bon, ça n'a qu'à... D'accord. Non, il revient vers Oh mon toi. dieu, mais c'est bon, je suis bientôt à la courte de bouffe. J'ai bientôt à courte de soif. Mais j'ai impossible de rentrer dans ma base, quoi. C'est idiot. Ce que t'as fait, c'est idiot. Mais j'ai rien fait. Je vois aucun C'est zombie. Est-ce que tu pourrais pas m'indiquer, Ad? Ils sont où les zombies approximativement? Moi, je vois 4 torches juste en dessous de votre cabane. Ils sont un peu plus, bah, un peu plus devant. Par rapport aux torches, oui, ils sont un peu plus devant. Et Snorky qui est dans l'eau, pas loin. Mais en fait, ils ont pas l'air de s'intéresser à Snorky et je comprends pas. D'accord, je vais essayer un tir. parce que je suis noir. Tu me Snorky, dis si lève-toi. j'en ai touché. Hein. Snorky, lève-toi, il va tirer. J'ai touché personne, j'imagine. Non. Ouais, bah c'est pas pratique quand je les vois pas de loin, moi. Est-ce que tu vois le poulet au moins? Non, je vois que toi, moi. Ok. Bah, dis-toi, Ça va ils être parce que je sont. suis trop loin, quoi. Si tu me vois moi, dis-toi qu'ils sont en dessous de moi. Ordure! Bah, écoutez, je vais éviter quand même de continuer comme ça parce que je gaspille Snorky, des fais balles. gaffe. Ouais, ne fais pas ça. Snorky, je vais t'aider. Wow! Te fais pas mordre, hein. Ce serait con. Aïe, aïe, putain, aïe, ça fait mal. Aïe. Putain, en plus, il est... Ah merde, non. Oh! Aïe, oui, non mais je sais me battre sinon, voilà. Oh, c'est la Bon, moi C'est j'essaie de bon, on est descendre. sorti. Ok, pas de soucis. Ah, je rentre! Putain! Ah, c'est con! Quoi? Il m'a foutu un coup de couteau! Oh mon Dieu. Ah bah au moins il a arrêté de pleuvoir, c'est déjà ça. Il t'emmerde! Attends, je te fais un bandage. Attends, je te fais un bandage. Ah Ça va, putain, Snorky? je saigne! Couillon, va. Putain, bien que le mal. Tu vois le bon côté des choses, Snorky. Non, bouge pas. Bouge pas, je te fais ton bandage. Bouge pas. Aïe! En ce moment, ça Con! J'ai récupéré ton boomerang. ça me touche. Ton couteau qui m'a touché. Oh. Suis désolé. Mais reviens! 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 Je te fais. Ah, ton bandage. Bouge plus. Ça va faire mal. Là, je le serre. Voilà. Aïe! Voilà, c'est bon, t'es soigné. Oh, j'ai mal aux joues tellement que j'ai mal. Va prendre de quoi se nourrir, parce qu'on a plus de bouffe. C'est Putain. bon, tout va bien, Ernesto. Bah, je sais que tout va bien. Oh putain. Alors, c'est la bouffe. Par contre, plus jamais tu fais ça, hein, d'accord? Ben j'ai même pas fait exprès en fait, je crois que c'est mes réflexes. Ah, moi j'ai fini ma barrière. C'est mes réflexes de... Ah. Il y en a qui se font couper, qui se prennent des coups de couteau et il y en a qui font des barrières. Est-ce que tu peux faire une barrière, Snorky? Est-ce qu'on devrait faire Je une suis content barrière? du coup. Ouais, faudrait qu'on fasse. J'aurais bossé Écoute. longtemps, hein, pour ça. Bien Mais joué. Ah, on voit d'ici, c'est assez beau. Tu sais bien construire par rapport à nous. bah vous savez, il s'agit d'avoir de la patience et aussi. Effectivement. Oh Je vois putain. Snorky, bah je vous vois sur un arbre. En fait. Oui, parce qu'on cherche de quoi se nourrir. D'accord. Ah, putain. Alors, je vais un peu plus loin, Snorky.
Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma caméra là, je vais reprendre tout de suite après, puisque je vais aller me reposer un petit peu, cette nuit a vraiment été hyper longue. Ok. Je vais reprendre tout de suite après, mais voilà, je fais vite. Pas de souci. Une toute petite sieste. Hop, voilà, elle est rallumée. Parfait. Donc oui, il y a encore beaucoup de zombies. Encore? Eh, je me Oui, réveille en pleine encore. nuit, moi. Oui, tu t'es réveillé en pleine nuit, c'est bravo d'ailleurs. Bon. Je vais essayer de faire un accès pour l'eau, genre qu'on saute directement si jamais on se fait envahir. Ouais, c'est vrai. Bon, comment ça va, Ernesto? Ça a bien... Ah, ça a bien avancé à ce que je vois. Hein. Ah oui. Très Ah. bien avancé, oui. Heureux quand même. Bon, bah, du coup, tu nous préviens quand on peut venir nous vous rejoindre. Voilà, faudrait déjà attendre le jour. Ouais. Bon, ce que je te propose, c'est que je m'occupe d'eux. Là, je... Pour refaire le même coup que tout à l'heure. Non, là, ça va mieux aller. En fin de compte, j'ai pas trop stressé et ça allait. Il y a juste son coup de couteau qui m'a mis mal. Alors, on devrait éviter d'être l'un à côté de l'autre quand on attaque, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Bon, Ok. oh, putain. Oh, bon, en plus. Non, mais. Il a encore sauté, putain! Snorky, d'ailleurs, Ad m'a dit que tu n'arrêtais pas de foncer dans le tas sans raison. Évite, arrête. Maintenant que j'ai des Bah, survivants là avec il est moi, je dans veux dire, je l'eau. veux pas que tu crèves. Non mais arrête, Snorky, faut pas que tu sortes comme ça en pleine nuit. Hein. Ah non mais là en fait, si tu veux, le truc c'est que Y a pas d'excuse, mon j'ai cru gars. que j'étais en train de tomber. J'ai fait ah merde et en fait, par réflexe, du coup j'ai voulu reculer. En fait, en reculant, je suis tombé. Ouais, mais non, mais non, Couillon! mais. Je sais pas comment on va faire pour survivre avec lui, hein. Putain les mecs, je voulais pas descendre de ma cabane parce que je croyais qu'il y avait des zombies en bas. Mais en fait j'ai oublié que j'avais fait ma barrière en fait. Et là j'ai quoi? J'ai 5-6 zombies juste derrière le petit mur. Moi je les regarde, ils sont là, ils sont gentils, ils sont sympas. Ah. Ils sont devant moi, ils sont à même pas 2 mètres. Bah écoute, nous ils sont assez nombreux. Ah, t'es là. Ouais. Ah. T'as failli me Non. faire peur, tu sais que j'allais donner un coup. Je me l'ai fait au boomerang. Tu sais que en vrai, si jamais je fais pas autant, c'est Ça me donne que. l'occasion d'ailleurs de me les faire. Enfin, de Mais tu sais m'entraîner au que boomerang d'ailleurs. j'ai encore perdu mon boomerang. C'est que ça fait. Bah moi aussi. Oh, ça c'était beau ça. C'est que ça fait au moins à peu près une semaine ou J'ai deux que je anticipé. survis, donc je peux me sortir de grosses galères, ce qui a d'ailleurs déjà été le cas. Ah, mais pas moi, tu. Enfin, voilà. J'ai perdu mon boomerang! Ah, nous Et bah aussi! comme ça on est trois. Bah ce que je peux faire là pour vous, c'est je peux déjà faire deux boomerangs Comment on fait les boomerangs? en pierre. Ah, comme ça. Ok. Je peux faire deux Ah boomerangs en non. fer. Bah Pas non, le comme fer on va ça. le garder, c'est important. Oui, garde le fer! Je sais pas du tout comment on fait des boomerangs, mais on va dire que c'est comme ça. Faut que ce soit en haut. En haut. Ah, en haut. Ouais. Indique-le-moi via. Ce coffre-là, je vais te... En gros... Alors, range-les bien et je t'observe. Alors... Tu fais comme ça... non. Non, c'est pas du tout comme ça. Attends. Tu fais comme ça... Et hop. Ah oui, d'accord, c'est mieux comme C'est ça, en haut, ouais. d'accord. C'est en haut qu'il faut mettre le truc. On fait un en or. Ouais, l'or, ça sert pas trop. Et j'ai des œufs. Et j'ai aussi un nœud, un œuf. Un nœud. J'ai aussi un nœud. Ouais, j'ai vraiment envie de tuer les zombies qu'il y a en dessous là, parce que ça devient insupportable. Les mecs! Ouais. Oui? Ouais. Je suis content! Pourquoi donc? Pourquoi ça? Bah, il y avait un dindon pas loin de chez moi, et du coup, bah, je l'ai tué, et puis du coup, bah, il m'a donné du dindon.
Et bah, et du coup, moi, il faut que vous sachiez que moi, je raffole du dindon. Du coup, c'est mon petit trophée de chasse, tu vois. Du coup, demain, bah, j'aurai mon petit déj. Ah, j'ai perdu mon boomerang encore. Oh là là. Couillon! Ah, il vient vers nous du coup. Ah non, mais c'est plus possible, hein. Je vais dormir, Snorky. Va te coucher, c'est ça, allez, dors. Dodo, c'est bien. Enfin, il y a trop de bruit. J'en ai marre. Bon, hey, j'ai vraiment envie de les éloigner parce que là, ils me saoulent. En fait, j'en ai marre d'entendre ces bruits, je les entends depuis je sais pas combien de temps. Donc, peu importe ce que vous en pensez, je m'en bats les couilles. Oh! Non, mais il saute encore. Bon, je préviens Ernesto, je vais l'aider parce qu'il est un peu dans la merde. Mais pas du tout, je suis pas du tout dans la merde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que t'as fait encore, Snorky? Rien du tout. Fais Moi, gaffe pour à tes vous dire, poumons. j'ai tué tous les zombies qui étaient à côté du truc, ma barrière, ils sont jamais revenus, quoi. Y en a pas d'autres. C'est bon, on peut. Mais bien Enfin, joué. c'est chaud de nager et d'attaquer en même temps. C'est pas On va pratique. être peinard. Aïe. J'ai parlé trop vite, les gars. Oui. On peut pas lui répondre en fait dans l'eau. Ouais, c'est ça. C'est bon, on s'en débarrasse là. Et la nuit va bientôt terminer. Fais gaffe à tes coups. Dit-il alors qu'il a attaqué avant. On les plante plutôt facilement à la tête hein, quand ils nagent, hein, c'est idiot. Ah, par contre, aïe. Non. Oh putain. Ça va, vous Alléluia. galérez pas. C'est bon, Non, c'est ça va, mort. on a. Tout s'est bien passé. Ah, moi j'ai pris une prise de risque énorme. Juste pour aller voir ce qui se passe. Ah, donc C'est tu nous as vu sympa. nous fight avec des zombards. Ouais, dans l'eau. C'est pas Ok. pratique d'ailleurs de nager et de donner des coups. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors qui on peut faire chauffer de la bouffe? Yes! Tout cas, vous avez l'air d'être de bons nageurs. Bah moi Je ouais. suis champion de natation. Et puis Ça ouais. voilà, c'est Je suis ça. sûr, t'es le genre de mec qui traîne un masque de plongée dans son. Exactement. Je suis sûr que t'en as un masque de plongée dans ton sac. T'es ce genre de mec, J'aurais bien Snorky, voulu. t'es le genre de mec avec ce. Enfin, t'as la tête d'un mec qui trimballe ce genre de truc dans son sac. Alors c'est possible, mais j'ai dû le perdre. Oh bah t'en avais un, du coup ça veut dire que j'ai raison. Ouais, t'avais raison, ouais. Bah Je me peut-être trompe regarde jamais toutes sur les ces gens. branches, ces planches que j'ai pu faire entre-temps. Donc en gros, si je te dis que t'es moche, bah c'est que t'es moche quoi. Ah non, là tu as tort. On peut venir s'installer du coup ou pas, puisque... Quand vous Enfin, voulez, ouais. c'est comme tu veux en fait. Moi, je m'en care. Bon, bah prends la bouffe, Norky. Bon, bah d'accord, apparemment On a on... de l'eau fraîche aussi. Prenez-vous tout le matos que vous avez. La pierre, c'est important la pierre. Ah, oui, c'est important la pierre. Quoi? Bon, De l'or. prends tout ce qu'il y a dans le coffre, on fera Attends, le je vais vous tri. dire où vous installez, enfin, où faire votre cabane. Ok, bah va falloir qu'on aille recouper des arbres. J'en ai plein du bois. Hein. J'ai assez de bois aussi. Hein. Prends ça. Mais ouais, si vous voulez couper votre bois, allez-y. J'ai posé un pilier de bois hein, là où vous pourrez faire la base de votre abri. Enfin, Ok. là où il y Ok. aura l'échelle et tout ça. Je vous ai mis quand même assez loin de la mienne hein, pour que vous puissiez avoir assez d'espace. Pour qu'on ne Et puisse une vie pas. privée. Voilà, mais pour qu'on puisse ne pas avoir à agrandir la barrière tout de suite. Parce qu'évidemment, il va falloir l'agrandir plus tard. Hein. Ce que je La vais faire, barrière, c'est c'est obligé. je vais me ramener directement et je vais tout mettre dans un coffre et ensuite je reviendrai ici chercher le reste de Ok, l'équipement. je te prépare un coffre. Ok, j'en ai un, mais si tu veux. Ah bah si t'en as un, tout va bien. Je vais aller voir ce qui se passe chez vous. Hein. Je vais vous aider s'il n'y a pas de. Voilà. Bah allez, on arrive vers toi. Ok. Bah ce sera l'escorte. Donc tu savais bien nager, Snorky. Ouais, j'ai essayé de chercher un Ouais, truc dans l'eau là, mais j'ai pas eu assez de souffle. d'accord. Ouh, c'est bon. Ah, par contre, oula, j'ai très soif.
Je vais boire un peu, si vous permettez. J'ai pas besoin de fleurs dans mes poches. D'accord, et moi c'est moi qui la ramasse la fleur. Ah, c'est un cadeau. Ah ouais! C'est plutôt pas mal, D'ailleurs, hein? regardez ici. Cette colline-là est totalement naturelle, donc en gros, ça c'est le plan de secours. D'accord, au cas où si on sort, d'accord, c'est Il y a un pratique. souci, Donc, on saute dans l'eau. ok. Ok, pas de soucis. Ah, il y a un ours. J'ai entendu un ours. Ah bah y a moi. Waouh. Bravo. Mouahaha. Norki, comment ça... Je vais commencer à... Tu peux faire des échelles, Norki, s'il te plaît? Ouais, On a pas de fait soucis, ouais. magnifiquement bien. Pas de Je vais soucis. commencer à faire la cabane. Tac. Ah oui, j'aurais bien voulu une petite cabane dans un arbre. En fait, c'était pas mal le concept. Non, mais pas... tant pis. Mais attends, Je vais aller chercher ah, une table j'ai de... dû. Mais je suis désolé pour les arbres d'ailleurs. Ou alors vous faites ce que vous faites, c'est que Attendez, j'ai une solution. Non mais si vous voulez, ce que vous faites, c'est que vous prenez, voilà, vous faites un pilotis en. C'est pas là, hey, c'est pas là, avant, ah. Voilà, voilà. Tu as décalé d'un bloc, couillon. Mais ce Est-ce que je gars, peux on dirait une blonde en fait. est-ce que je peux t'emprunter ta table de Non, je suis craft où? Oui, qui va oui. être en... Ok, merci. C'est où? Là. Hop. D'accord. Voilà, c'est pas Voilà. naturel, mais. Et si tu veux ajouter une touche de naturel, est-ce que vous avez des cisailles sur vous? Vous allez prendre des feuilles là sur un arbre et vous foutez ça partout. Ah, on Des n'a pas ça, mais je cisailles. pourrais. On a du fer. Bah voilà. Bon. Bah, vas-y, Snorky, je vais prendre du feuillage. Je vais Ah, couper vous un en avez peu. juste assez pour vous faire un truc. Tiens. Je vais couper un peu de bois. Tiens. Oh là là, mais quel. Mais vous savez que je peux partager moi mes ressources, hein, je peux vous en passer du bois. Ah oui, non, mais t'inquiète, c'est. Vaut mieux qu'on. Non, je vais faire une table. Je vais faire un plan de. Un petit plan de travail. Le temps 2. Tiens, Voilà. gigoc, up, add. Oh, j'en ai marre. Merci. Bon, allez, je Bon. m'éloigne, vous savez quel bouton, quelle fréquence utiliser, hein. Oui, je suis Ouais. pas loin de toi de toute façon. Voilà. Bon. Ça fait du bien d'être un peu seul, là. D'ailleurs, je vais aller chez vous casser toutes les torches à côté de votre cabane. Voilà, donc si jamais ça doit nous servir d'abri de secours, vaut mieux qu'il n'y ait pas de zombies qui nous attendent. Donc eux ils sont au nord, voilà. Alors ce que je vais faire c'est que Courage. là oh, Merci. j'ai récupéré un peu de bois. Un peu pas de bois de feuillage. J'ai essayé d'aller dans un endroit assez éloigné, voilà. Ils sont bien gentils. C'est super d'avoir fait leur rencontre. Malheureusement, c'est vrai que l'aventure en solitaire, ça manque un peu quand J'ai même. récupéré un boomerang par terre. Si c'est en or, c'est à moi. C'est en pierre. Et c'est un Snorky. Ok. D'ailleurs, Snorky, tu t'en sors. Je m'en sors à merveille, ouais. Merveilleux. Je casse toutes les torches aussi dans votre abri ou pas? Si tu veux, oui. Enfin, surtout si jamais on doit se cacher ici et que c'est sombre, ça serait mieux peut-être. Ok, bah je casse. Alors, le nord, c'est par là. Vous irez récupérer vos tentes et tout ça. Hein, D'ailleurs, il y en a un qui a laissé une radio aussi. Ah, c'est moi. Je vais récupérer ça. Ok. Hop. Bon, bah, il y a tout qui est cassé. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Super! De retour. Je vais récupérer nos affaires, Snorky. D'accord, ok, très bien. Pas de soucis. Hop, le feuillage, il est ici. C'est un Oh, radio y a une ici. caverne pas loin. J'entends des zombies sous terre.
Non, je suis toujours en fréquence, hein. Oh mon Dieu, des œufs! Vous avez des œufs? Ouais, bah Oui. tu peux prendre si tu veux, hein. Ah, j'adore moi pour les petits-déj. Nous on s'en Je sert. peux tout prendre? Ouais, tu peux tout prendre si tu veux, nous on s'en sert pas, enfin du moins moi. Vas-y, je vous file un poulet alors. Bah, c'est sympa. Du bois, du Merci bois. bien. Ils ont plein de matos en fait. Ces couillons ont plein de matos. Je sais pas pourquoi je suis allé prendre du J'ai oublié bois. ma radio. Ah, je vais. Faut que j'aille tuer ça pour me faire un petit équipement. Si ta radio est là-bas, comment tu fais pour me parler à distance? Parce que j'y suis proche. Ouais, mais d'accord, mais tout à l'heure, t'étais pas à côté de ta radio. Ça, on va prendre ça. Toi aussi, t'es télépathe? Exactement. Ça, c'est bien, on a deux télépathes. Hein. On fait rien à beau couple. Je vais aller chercher du renard quand J'en doute même pas. pour me faire. Ah. Je veux pas paniquer, mais les zombies arrivent déjà. Bah, reviens vite. Snorky, d'ailleurs. Ouais. J'ai récupéré ton boomerang. Par terre. Ah. Tiens. Merci Ah, me bien. voilà. Ah bah du coup moi aussi j'en ai un. Bon bah ça devait être un gigoc en fait. Je vais aller chercher quand même du renard hein, pour me faire un petit équipement quand même. Parce que là. D'accord, je viens avec toi. Quoique, non, reviens, mec, la nuit va tomber. Est-ce qu'il parle à moi? Snorky! Ah, tu parlais à moi? Ouais. Bah oui, la nuit va tomber, mec. Ok. Tu restes pas là dehors. Tant que t'as un abri, mec, t'en profites, hein. Non, je voulais aller chercher du pelage de fox. Non, mais quand même, avouez-le, les gars. Hein. Vous. Avouez que vous êtes content là, vous avez été à l'abri cette nuit, Ah oui. vous pourrez être Enfin. dehors, prendre l'air, pas de soucis quoi. Alors je vais continuer. Snorky, tu as fait les cisailles d'ailleurs ou. Ouais, mais j'ai récupéré. Pouf, mais qu'est-ce que je fais? J'ai Ah récupéré oui. le feuillage. On va faire genre. T'as récupéré les tentes? Oui, j'ai récupéré les tentes. Vas-y, tiens, donnez-moi, je vais les mettre par terre en attendant. De Ouais, toute posez-les par façon. terre, vous allez camper par terre. De toute façon, il pleut pas, donc vous allez être pas mal. Hop, Balance tout. merci. Bon bah Ça vous merci dérange à. si je m'allume une clope? Ah non, pas du Ah, tout. vas-y. Attends, t'en as pas une pour moi? Ouais, tiens. C'est mauvais de fumer, ça. Bon, après on va peut-être mourir, donc vaut mieux en profiter, Merci. mais. Pessimiste. Bon, oh, des zombies. Tu as récupéré le charbon qu'on a. Oui, Ouais. on Bah écoute, en tout cas, j'ai vraiment hâte de rencontrer ton ami Emric. J'espère que tout se passe bien pour lui, hein, quand même. Ah bah j'ai hâte que vous vous rencontreriez aussi. Eh les mecs, je vais pas dire Snorky, mais moi je galère. Je suis pas habitué d'avoir la cigarette sur le coin de la bouche. C'est une habitude qu'il faudra prendre. Tu m'étonnes. Je vais l'accompagner. Allez, on monte, on retourne à la base. Tranquille. Oh putain, comment c'est chaud. Ouais, mais referme. Mais Mais non, mais. abruti! Mais j'y crois pas. Mais non, mais c'est ridicule. Bon, ok. Putain, mais Snorky. Je viens de perdre la moitié de ma vie à cause de toi, couillon. J'ai fermé la porte! C'est toi qui l'as réouverte! Puis en plus, moi, j'arrive même pas à articuler avec ma cigarette là. Bon, allez, bonne Bah, nuit! j'y crois pas. Bon, allez, J'y bonne nuit, je crois vais me coucher pas. aussi, les gars. Allez, bonne nuit! Ah. Ah oui, très bien. Alors, les mecs?
Oh. Pourquoi tu rigoles? Non, je m'y tirais. Ah d'accord. C'est une façon très étrange de s'étirer, il a tendance à rigoler, je... Finalement, j'ai même pas dormi de la nuit. J'ai passé ma nuit à tuer des zombies. Ah, ça me touche tristement et... Bon, je vais aller chercher du feu et je Pourquoi tu rigoles? vais... C'est nerveux. C'est nerveux. C'est nerveux. Pourquoi c'est nerveux? C'est Gigog qui me fait rire. C'est Ad, pardon. C'est pas Avec sa tête de Gigog! con, Putain, je te c'est comprends. Ad! Oh, j'en Non. ai marre! Ah, oh, tuez-le! Non, va, non, ne le tuez pas, mais. Ouais, bande de cons. Bordel. hop là. Ah, j'y crois pas. Bon, je vais aller chercher du pelage de. Bref, Vas-y. je vais aller chercher. Ouais, mais de renard, pardon. Voilà. Ça va. Ouais, bah dans le coin, il n'y a pas beaucoup de renards, il y a plus des moutons, hein. Ouais, mais je vais aller à la recherche de renards. Attends, est-ce que t'as du bois sur toi? Ouais, j'en ai. J'ai commencé à faire à beaucoup travailler sur notre la cabane. C'est un peu lourd. Merci. Quoi que Pas de souci. je garde le bois que j'ai sur moi au cas où si jamais je reviens pas avant la nuit. Pas de souci. Bah si tu reviens. Je viens avec toi, Snorky. Ok. Ad, on te laisse bosser sur la cabane, je vais chasser avec Snorky. Ok, bonne chasse alors. Merci. De toute façon, on reste sur la même fréquence. Ouais, pas Ouais de ouais soucis. mais on va éviter de trop se servir de la radio pour économiser les batteries quand même. Tu les entends Snorky ou pas les zombies qui sont sous terre? Je les entends, ouais, un peu, ouais. J'entends des petits hurlements. Ouais. D'ailleurs, fais gaffe, il y a un lac de lave. D'ailleurs, je crois que l'hiver va bientôt tomber. Là, on est en automne. Je crois que ce petit lac de lave, il va être très utile pour nous réchauffer. Ah, c'est vrai que ce serait pas mal, hein, puisque là, Ouais. en automne, ouais. Bon, et toi, ça fait quelques jours que tu survis. Ouais. Hop. Bon, allez, je me balade. On va essayer de trouver des animaux, hein, quand même. Ouais, bah écoute, comme je disais, ah, toi aussi, t'as une caméra. Ouais, moi, je disais que j'étais bien, bien ravi de vous avoir rencontré, toi et Gigok. Ah bah la même chose pour moi. Hein. Parce que là, j'ai perdu le seul compagnon que j'avais, c'était mon cheval, il s'appelait Hidalgo. D'accord, bah une chose est sûre en tout cas, c'est que moi j'ai pas revu Emeric, je commence à m'inquiéter honnêtement. Bah écoute, je suis sûr qu'il va revenir. J'espère. Parce que déjà, la probabilité que je rencontre Gigok qui vienne me sauver. Ah, t'es là. La probabilité qu'il vienne me sauver était vraiment faible. Et ensuite, la probabilité qu'on tombe sur ta cabane était tout aussi faible. Donc la probabilité que ton ami revienne, Bah c'est vrai, hein. je pense qu'elle Je va suis y... d'accord. ça va très vite. Enfin, Ah tu vas très le vite, retrouver, oui. quoi. Oui, je vais le retrouver, oui. Merci de me rassurer. Pas de Bon, quoi. je vais pas dire, mais on trouve pas grand-chose à part des moutons, hein. Bah ouais, j'ai vu des renards tout à l'heure, mais autant là, j'ai rien vu du tout, quoi. Au moins, on a des fruits. Oh Ouais, là, ça je suis c'est tombé. Oh merde, je suis mouillé. Non! pas... Ah, tu vois ce que je vois là-haut? Dans la colline. Ah, du charbon. Je te laisse le prendre ou je m'en occupe. Bah, vaut mieux que tu t'en occupes. T'as de quoi faire? Ouais. Ok, bah, vas-y, en attendant, moi, j'ai... Tu me couvres? Ouais. Ok. Par contre, je t'avoue que je suis assez essoufflé, hein. Ouais, moi aussi, bah, c'est que ça fait C'est bizarre pour là ça que si tu m'entends souffler, hein, c'est normal. J'essaie de. de respirer normalement, comme il faut. C'est ça la C'est ça que clope. ça fait la cigarette. Ouais.
façon, là, profite de ta dernière clope parce que ça va être les dernières. Hein. Oh bah t'inquiète, j'en ai une petite réserve. Ah, cool. Bon, on fumera ensemble. Hein. Ouais. Tu fumais avant tout ça, toi, ou pas? avant et pendant tout ça, ouais. Sauf que là, ça fait un bon petit moment que j'ai pas fumé. Ah bah t'as de la chance d'être tombé sur moi, mon pote. Ouais, ça va, je m'en sortais bien. Sans fumer, c'est pas tant difficile que ça quand il s'agit de survie. Tu penses plus à survivre qu'à fumer, mais ouais, non, sinon, pourquoi pas? Ouais, enfin maintenant, bon, on s'en bat les couilles que ça nous foute le concert au final. Hein. De toute façon. Limite, tu préfères avoir le concert que de te faire bouffer par les zombies, donc. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis là, je vois bien si un jour il y a des survivants qui voient cette vidéo, ils vont faire, mais c'est pas bien de fumer. C'est vrai que c'est pas bien, mais bon. Faut On juste s'en pas bat les couilles, les commencer. gars. Faut juste pas commencer. Ouais. Je suis complètement perdu là. On est parti vers le sud, c'est ça? Ouais, non, mais je sais, j'ai un bon sens de l'orientation, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de zombies ici. Bah, c'est inquiétant à la fois, oui et non. Et tu Ouais. sais qu'en ville, j'ai déjà eu une journée où j'avais pas vu un seul zombie quand même. Ah bon? Ouais. Putain, carrément. C'est à croire qu'ils se déplacent aléatoirement en fait. T'avais juste eu de la chance, hein, je crois. Bah dans une aussi grande ville, ouais. Ou alors ils devaient être occupés à bouffer quelque chose ou je ne sais quoi. Je sais pas. Alors je sais pas si t'aurais eu la même idée que moi. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Bah. Ah. On tente ou pas? Moi je t'entends très bien. Ok, bah attends-moi. Attends-moi, je me prépare. Frontal, lampe torche, allez. Bon, moi je te préviens. Si t'aurais quelques charbons à me passer, histoire que je me fasse des torches. Ça ne sert à rien, mon gars. On est déjà trop loin. Ça sert à rien de poser des torches. Ce serait de la gaspille, en fait. Ouais, mais moi là je vois absolument. Ah, mais non, mais j'en ai en fait. Ah bah il y a, regarde, c'est déjà fini la corde. Donc, on a pris des risques pour rien, quoi. Voilà, j'enlève la frontale. Direct. Ouais, le jour va bientôt se coucher, donc. Ouais, bah moi ce que je pense, c'est ce que je vais faire cette nuit là, je vais couper ma caméra. Ouais, moi aussi. Et Puis là, ouais, on va aller se coucher. le nord c'est par là, ok. T'as qu'à me suivre, hein, j'ai un bon sens de l'orientation, comme je viens de dire. Ok, Suis-moi. pas de soucis. Aïe. Est-ce que toi aussi tu utilises ces compétences ninja couille? Ouais, t'inquiète, mais je m'en sers le moins possible. Ok. Comme je te dis, j'ai pas beaucoup de souffle et. Si ça peut m'éviter d'économiser, enfin, de gaspiller de l'eau et de la nourriture. Allô, allô? Est-ce que vous vous en sortez? Ouais, on s'en sort Très bien, là, très bien. On arrive. on arrive. Ok. Alors, pour vous dire que j'ai très bien avancé aussi de mon côté. J'espère que t'as pas fait un truc moche, hein, sinon je te préviens, j'abats ton arbre. Mais non, c'est pas moche. On devrait pas être loin, Snorky. J'espère. J'espère. Ah merde. Oh! Hop. Ok. Ah, viens là! Oh, c'est bon, j'ai eu de la fourrure. Ah Je suis yes, content. nice. Ah, bah, on est parti trop loin en fait. C'est par là. Tu m'as suivi? Bah là je suis là j'avance vers le Saute dans la rivière. vers l'ouest. Ouais, je suis la rivière en fait. Non mais saute dedans. Ok. Faut la traverser. Eh ben j'ai eu chaud là quand même. Ouais. Oh, mouton. Bah, je crois qu'on va bouffer du mouton jusqu'à la fin de notre jour. Quoique c'est vrai que éventuellement on pourrait essayer de se faire une plantation normale aussi. ouais, ah, j'ai appris aussi à faire un truc qui pourrait être intéressant. C'est un récolteur de pluie. D'accord. Bonjour. Bonjour! Waouh! Ah bah ouais, c'est pas mal ton truc. Mais évite de faire trop de fenêtres aussi, hein. Oui. À un moment, vous aurez plus d'intimité, hein. Oh, Je peux et puis comprendre. c'est quoi en plus ce plafond là qui est. Oh mon Dieu, vous allez vous cogner la tête, hein. Norky, tu viens dans ma baraque. Merde, bon, je vais essayer d'arranger ça.
Que moi je vais plus je vais hésiter à monter moi. Alors qui se barre, oh mon dieu. Au niveau du bois, j'étais un peu. Ok. On a un renard là-bas. Oh, bien joué! En plus, la nuit, elle tombe. Bon, allez, nous, on va se coucher. Moi, je vais me coucher, en tout cas, je sais pas pour vous, mais je vais éteindre ma Ouais, caméra je vais me d'ailleurs. coucher, je vais éteindre ma caméra aussi. Je continue un peu pour ma part. Ok, bah t'inquiète, tu peux même continuer hors que je filme ou que Ernesto filme. Non, non, moi je dis reposez-vous tous les deux. Hein. Oh, moi je m'en fous. Ouais, bah ouais, moi je vais me reposer en tous les cas, ça c'est sûr. Si on s'arrête tous, enfin si Snorky et moi on s'arrête, tu t'arrêtes aussi mon pote, hein? Ok, je C'est descends. quand même 5 ou 6 jours là. D'intense travail. Je bois un peu. Bah allez, bonne nuit les mecs. Bonne nuit, Bonne Ernesto, et nuit. puis encore merci, hein, de nous Pas de accueillir. soucis, c'est normal. Allez, à plus, les gars. Bonne nuit.